Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur notre carrière manager au Red Bull Harfleur. On est parti pour un match de Coupe de France face à Nantes. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que oui, on l'est tous ici. J'espère que pour vous c'est pareil ce qui arrive là. C'est ce qu'on attendait tous. C'est ce qu'on a déjà imaginé mille fois mais qui finit toujours différemment. C'est cette part d'imprévisible qui fait qu'on aime le foot. C'est parti, ladies and gentlemen, it's football time! Qui sortira vainqueur de cette confrontation? Restez avec nous pour le savoir! Allez, c'est parti pour un match face à Nantes. Le coup d'envoi de cette rencontre. Allez, on a dû faire tourner pour ce match. Notre équipe est très fatiguée avec tous les enchaînements, coupes et autres. Attention, le FC Nantes qui attaque. Le FC Nantes. Heureusement, ça ne passe pas. Allez, Bargui. Avec cette passe maintenant pour Larsson. On a fait entièrement tourner, à part au poste de latéral droit. J'ai pas de remplacement côté droit, donc c'est Djeller qui sera titulaire. C'est une bonne récup. Sûrement remplacé au bout d'un moment, ce qui sera tellement accusé qu'il ne pourra pas continuer. Castelletto pour Pierre Gabriel. Attention, Pierre Gabriel. Et ça ne passera pas pour la FC Nantes. Dorgou avec Bardi. Ça permet de voir un petit peu des noms différents. Et voilà une bonne intervention, ça sort en touche. De faire jouer notre jeunesse avec Dorgou qui retrouve une place de titulaire aujourd'hui. Avec cette passe maintenant pour Haraldsson. Haraldsson la passe pour Bardi. Bardi, il tente de partir. Bardi, la parade, c'est l'ouverture du score d'Antman. 1-0. 1-0 face au FC Nantes. Et ce match va débuter pour de bon. Un but du numéro 29. Alors, je crois que c'est une passe d'Antman. Regardez, la clé de ce but, c'est ce ballon. Je me demande si c'est pas un but d'Oscarsson. Derrière, tout est plus facile pour attaquer. Et ça se termine dans l'harmonie, la précision, la simplicité. Ah oui, c'est un but d'Oscarsson. Le but, c'est rendre ordinaire. C'est son premier but avec nous. Il n'était pas titulaire depuis longtemps dans cette équipe. Il y a tellement de bons attaquants. Thierry Veya. Compliqué d'avoir des places de titulaire pour certains joueurs. Et Oscarsson qui en profite aujourd'hui. Mostafa Mohamed. Attention au Nantes. Nantes qui tente d'attaquer, bien défendu. Allez, Nathan, qui lui aussi a fait ses débuts avec nous. Pas mal de joueurs qui jouent leur premier match avec nous. Antman, Oscarsson. Oscarsson, Haraldsson. Djeller. Dans le camp adverse, peut-être une bonne occasion à venir. Cette passe maintenant pour Haraldsson. Alors il y a faute, mais l'arbitre fait signe de continuer. Clem. Il laisse l'avantage. Bardi. La place pour tenter sa chance. Ouh, Bardi, c'est dommage. Thierry Veya. Allez, l'attaque nantaise. Mostafa Mohamed. Allez, la belle série de première passes. Fois aussi qu'on joue une équipe de Ligue 1. Ça permet de nous tester, même si j'ai fait tourner largement l'effectif. Avec attention, oh, cette attaque du FC Nantes et l'égalisation. Oui, c'est le but, voilà. Égalisation. Une action. Une égalité parfaite. Un but du côté nantais. Et score de parité avec ce but inscrit un partout. Égalisation à but partout. Notre jeune équipe qui se fait égaliser. En plus, eux, ils ont mis leur grosse équipe. Donc, je fais tourner avec Gellert. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Avec ce centre qui est repoussé, Larsson qui tente de se battre. Notre équipe là, entière tente de direct. Se battre. Il y a du monde en soutien. Pour l'instant, c'est toujours un bon résultat. Frappe. Même si on préférerait mener, mais faire match nul avec l'équipe qu'on a. Face à Nantes, c'est quand même déjà énorme. Allez, le corner, Antman qui ne coupe pas. La passe pour Haraldsson. Nathan, le défenseur central avec Haraldsson. Haraldsson de Buzyn, le but signé Haraldsson. Nos deux joueurs islandais qui nous permettent de gagner ce match pour l'instant. Le match n'est pas terminé.
Il va être encore très long. Son corps est parfaitement en équilibre au moment de poser son pied. En tout cas, ils sont très importants, nos deux Islandais, parce qu'ils nous marquent chacun un but, Oskarsson et Haraldsson. Et ça fait 2-1 à la mi-temps avec une équipe B. L'équipe est fatiguée, on voit Gellert, il n'en peut plus le latéral. Bah faisons rentrer, tiens, Busio au poste de latéral droit, il a déjà joué latéral gauche. Il va jouer latéral droit dans la seconde mi-temps. Voilà la deuxième mi-temps qui démarre et les Hurricanes mènent toujours au score. Très bonne Haraldsson couverture du ballon. Il conserve, il donne à Oskarsson. Décalage pour Antman. Avec Oskarsson, la passe pour Antman. Avec maintenant Antman qui progresse. Antman toujours. Haraldsson, Oskarsson. Passe pour Haraldsson. Avec cette passe maintenant pour Bardi. Bardi, oui, la frappe. Repoussée. Par Pierre Gabriel. Ah ça y est, depuis le temps qu'on en parlait de son transfert, c'est chose faite désormais. Bennacer, transfert c'est à Liverpool. C'est l'occasion d'apporter un peu plus de qualité à cette équipe. C'est un très bon choix de leur part. Nantes qui pousse avec Hudson. Hudson et l'égalisation. À nouveau l'UFC Nantes. Donc l'UFC Nantes qui égalise. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Haraldsson est fatigué. On va faire entrer Moukoko. On va faire entrer aussi... on va faire entrer Nanasi. On a beaucoup de fatigue. On va sortir Badji, faire entrer Darami. Et il nous reste un changement possible. On va le garder sous le coude. Égalisation sur ce ballon. Voilà une belle preuve de caractère. De retour dans ce match. Et tant mieux pour le spectacle. Et c'est donc une nouvelle égalité, match à rebondissement. Quel plaisir de vivre une rencontre avec autant de monde. Bon, les Canaries qui viennent d'égaliser. Attention, on est moins bien. Hein. On est moins bien, pourtant c'est la même équipe qu'au départ. Allez, Darami. Darami avec Youssoufa Moukoko qui a fait son entrée. Youssoufa Moukoko qui prend de vitesse sa défense nantaise. Moukoko, Moukoko. Ah, Moukoko. Et le 3 buts à 2. Le contre signé Moukoko. On croyait que c'était perdu cette action. Et finalement, ce but de Darami qui vient nous permettre de repasser devant. 3 buts à 2. Laisser rendre les choses simples. C'est ça le vrai talent. Allez, la rentrée de Darami a fait la différence. Et aussi de Moukoko. Des joueurs qui ont plus l'habitude de jouer. Taylor. Que merde. Allez, la bonne défense. Avec Oskarsson. La remise pour Larsson. Moukoko. Moukoko avec Darami. Darami la passe pour Moukoko qui ne passera pas justement pour ce joueur. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Attention à Bamba, Bamba, bonne coupure d'Orgou. Nathan. Oh là, l'erreur du milieu de terrain. Et attention, Nantes qui a failli égaliser. Parce que même dans les buts, j'ai fait tourner. J'ai mis Hermansen. Attention, dégagé. Attention, la frappe nantaise. Et un arrêt qui fait du bien. Et Hermansen, qui pour l'instant arrive à ne pas encaisser d'autres buts. Mais on redonne le ballon nantais. Une dernière attaque, toujours en quête de ce petit but. Oh, attention Nantes qui attaque avec Mohamed. Mostafa Mohamed, c'est bien défendu. On fait que de défendre là. Un bon corner pour peut-être revenir au score. Christensen y est fatigué. Le changement est demandé et il a lieu. Allez, on va faire entrer Kerfeld. Ganago qui fait son entrée côté nantais. Corner. Allez, là, on défend encore. Vous voyez, sans aucune difficulté. Bien qu'on a fait jouer des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer. Des jeunes joueurs. Le ballon pour attention Mollet. L'FC Nantes. L'FC Nantes avec Florent Mollet. Florent Mollet. Florent Mollet, l'arrêt. Bermansen.
Elle peut être contente parce que pour l'instant, il nous permet de nous qualifier. Mais attention, il reste quelques secondes le sur corner. Ce corner. La bonne défense. C'est repoussé, mais ça va revenir avec Matoussi. Ouais. Mais on se qualifie pour le prochain tour de la Coupe de France. Allez, on est parti pour ce match face au SCO d'Angers. Voilà la compo officielle pour cette équipe. Alors on est en déplacement. Normalement, en déplacement, c'est une victoire. On a ressorti la grosse équipe, la grosse écurie. Pour affronter le SCO. Joseph Lopi. Avec Lopi. Bamba. Attention dans la surface, il y a du monde évidemment. Le bon déplacement. Ça va récupérer avec Moukoko. Moukoko, Noussa. Mercato bat son plein, mais pour l'instant pas de recrue en vue. Oui, c'est ça. Il s'agit du premier but pour les Girondins de Bordeaux. Bordeaux qui ouvre le score. On rappelle que Bordeaux est deuxième. Très bien, et merci pour l'info, Laure. Et on reste sur un résultat décevant au championnat. Avec ce nul face à Bordeaux. Bamba hérite de la balle. Une belle victoire en coupe face à Nantes. Centre là peut-être. Donc là on joue ce match face à Angers, match de championnat des deux. Et ensuite, match de Coupe de France face au LOSC. On enchaîne les équipes de Ligue 1. Il y a maintenant des options disponibles. Ah, il met bien son corps en opposition pour conserver cette balle. En coupe, on enchaîne vraiment les équipes de Ligue 1. Vers la surface. Allez, ce ballon est subtilisé. On va pouvoir juger de notre niveau parce que le LOSC est bien sûr plus fort que le FC Nantes. Mauvaise passe de Ferreira. Abdoulaye Bamba. L'attaque avec Moral là, pour le SCO d'Angers. Récupération. John. Récupéré par l'adversaire. On passe pour Rondo. C'est sur le match de Saint-Etienne. Svensson. Oui, c'est le premier but en Tio. Faveur de l'AS Saint-Etienne. Un but à zéro donc. On joue ici depuis exactement 27 Van Beek. Minutes. Ouais, merci Laure pour l'info et tenez-nous au courant c'est Vald. Pour la suite de la rencontre. La passe pour Gellert. Gellert qui passe avec son explosivité côté droit. Van Beek. Gellert. La passe maintenant pour Sévald. Sévald la passe maintenant pour Moukoko. Oui, c'est repoussé défendu. Ce tir par la défense en Angevine. Toujours 0-0. Ousmane Camara. 0-0 face à la Juve de l'Ouest. Allez, attention, bonne récupération de notre équipe. Grunbeck, voilà, Ferreira, le ballon côté droit pour Grunbeck. Grunbeck avec Ferreira. Ferreira, la mauvaise passe. Récupération, Sévald, Moukoko. Moukoko, la frappe et le gardien qui dégage. Corner. Corner pour le RBR Fleur. La tête. Gros travail de la défense, bien placé. Aucun danger sur ce coup de tête. Et la tête qui passe à côté. 0-0. On faisait 3-3 face à Bordeaux. Et là, il n'y a pas de but inscrit pour l'instant. On espère un réveil en seconde et ça mi-temps. Y est, c'est la pause. L'arbitre vient de siffler notre la notre équipe. Bon, allez, on repart pour la seconde mi-temps. Sur ce score de 0-0. Il faut réagir, marquer un but. Moukoko, Ferreira. On cherche la solution. Un bloc bas hein, côté Angevin. On nous attend pour contrer. Et là, ils ont récupéré. Là, ça va y aller. Attention. Notre latéral qui est pris de vitesse. Bonne couverture de Diop. Le ballon est récupéré. Tio. Oui, il y a faute, mais l'arbitre Tio. Laisse l'avantage. Ballon pour John. Ah, c'était John un feuilleton du moment. Avec mais Noussa. Maintenant, Noussa. Le transfert ça avec le décalage à faire pour Grunbeck. On parle d'une pépite du football mondial. Grunbeck la passe. Le ballon passe loin du cadre sur cette frappe lourde. Noussa est fatigué. Allez, on va faire entrer Antman. Poste pour poste. Que les deux équipes veulent s'éloigner de l'échec. Ils trébuchent aux premières difficultés. Le football, il se joue avec le cœur. Place à la démesure, à la virtuosité. Et attendez, on signe un but, ça concerne le match de 3. Oui c'est ça, il s'agit du premier but. Les Angevins qui attaquent avec le Lopi, attention le décalage qui est fait, la frappe d'Angers, c'est repoussé, ça va revenir et cette fois il y a le but.
Le but du SCO d'Angers. L'équipe en ce moment est malade et encaisse un nouveau but cette saison. Haraldsson va faire son entrée. On va faire entrer Darami. On va inverser Antman et Darami. Voilà. Clem va faire son entrée à la place de Klengerl. Est-ce que je peux sortir? Ouais. On va faire tous ces changements-là. On va faire entrer du coup Nathan au poste de latéral gauche. Pour prendre les devants, ce but qui fait du bien moralement. Ah, ça fait mal à la tête là. Cette, regardez la passe initiatrice du danger. C'est dans le moment de la cette passe occasion et ce but danger. Et tu termines l'action dans une grande facilité technique. Une passe au filet. Man. Et on est mené. Un petit ajustement tactique. Allez, Ferreira. Ferreira. Antman. L'arbitre. Faute sur Ferreira. Antman. Allez, faut casser des lignes. Ferreira. Ah, c'est bloc bas, ça joue vraiment serré côté Angers. Antman. La passe pour Sevald. Oui, Sevald. Pour Saint-Etienne. On en est donc à cherche une à solution 67 minutes avec cette passe maintenant pour Ferreira. Ferreira qui se retourne. Angers qui s'en sort très bien. Antman qui n'arrivera pas à récupérer le ballon. Ça va être récupéré par Gellert. La passe pour Ferreira. Et ça ne passera pas. On les gêne dans la relance. Mais ils attendent en fait qu'on sorte pour nous contrer. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Il y a faute et l'arbitre donne le coup franc. Faute et d'Angers. Cette faute mérite le jaune. C'est ça qui a décidé l'arbitre. Eh non, en tout faute. Cas. Faute d'Angers, mais coup franc pour eux. Ça devait être une faute précédente. Allez, Haraldsson. Sevald. Soutien là pour attaquer. Sevald avec la passe pour Antman. Antman. Antman qui tente de crocheter et qui résiste deux au but avec Ferreira. La passe, la passe et l'égalisation signée Red Bull Harfleur et Darami qui vient nous permettre d'égaliser. Un but partout face au SCO. C'est bizarre, hein, c'est depuis qu'on est mené que l'équipe est beaucoup plus haute et décide de jouer. Et tout de suite on se procure plus de situations et finalement l'ouverture du score. Un but partout. Et score de parité avec ce but inscrit, un partout. Où on signale un but, c'est sur le match de Saint-Etienne. Et oui, c'est le troisième but en faveur de l'AS Saint-Etienne, ce qui porte le score à 3 buts à 1 alors qu'on joue la 84e minute de jeu. Voilà, c'est bien noté, merci Laure et tenez-nous au courant pour la suite du match. Darami. Ah, bien joué, bonne intervention. Haraldsson. La passe pour Clem. Nous assistons à un moment décisif dans ce match. Clem. Un but, le centre. En tentative de reprise d'un de nos joueurs. Finalement, c'est Angers qui va pouvoir contrer. Une minute d'arrêt. Angers minimum. Qui a encore le ballon. Et c'est un match c'est nul. Fini, c'est donc terminé. Ce crisp. Allez, on est à la Red Bull Arena. Hein. On est à domicile. Et on sait que ça va être compliqué à domicile. Seule certitude, il est impossible, évidemment, de en championnat, on marque un peu le pas. Que nous réserve ce match jusqu'où on se déplace de ce côté. Ici, la pression est palpable. Enfin, on reçoit plutôt le LOSC. En étant en difficulté oui, pour l'instant en championnat, là, même si on est toujours leader. Attention, Moukoko. Et pénalty obtenu par Moukoko. Et la faute. L'arbitre indique le point pénalty de pénalty obtenu. C'est Samuel Umtiti qui fait la faute. Dernier match de cet épisode. Et ça va être Ferreira, l'international américain, qui va devoir se charger de ce pénalty arrêté. Quand on rate un péno, c'est jamais bon signe dans un match. Corner juste derrière pour Sevald. Sevald, le corner. Qui ne donnera rien, Souza. Enfin, Nouza plutôt. Nouza, perte de balle. Récupération, Sevald. Il fait faute. De l'arbitre pour désigner ce coup. Il va avoir un carton, non? Non, un avertissement. Juste verbal pour Sevald. Mais c'est bien, il a coupé tout de suite l'attaque. Rémi Cavella. Diakité. Ounas.
Attention à Diakité qui attaque pour le LOSC. Ce ballon bonne défense. Par le Noussa. Rideau défensif. Allez, Noussa. Noussa avec Moukoko. Allez, Moukoko. Moukoko. L'action se poursuit. Il demandait le ballon à Ferreira. Il obtiendra voilà, corner. C'est donc un corner. Cette action n'aurait pu ne rien donner. Heureusement, ça nous donne un corner. Corner. La tête. Cette magnifique reprise. Et nouveau péno. La faute est signalée par l'arbitre. Nouveau péno. Ferreira va avoir une autre chance de marquer un but. Nouvelle main du LOSC. Le numéro 5 qui a une nouvelle fois un pénalty à transformer. Cette fois-ci, c'est marqué. Ferreira, un but à zéro pour le Red Bull à Fleur. Il passe tout près du corps ce pénalty. Le pénalty pour une fois très bien tiré. Était du bon côté, mais le gardien était encore dessus. C'est juste au-dessus. C'est frustrant. Son deuxième but de match pour Ferreira. Le jeu reprend après ce but concédé par le LOSC. André. Benjamin André. Adam Ounas. Très dangereux ce joueur. Attention de ne pas le laisser passer. Ounas. Ounas. Une possibilité il construit. De la attention, ça va centrer. Ça va centrer. Ça centre et ça et fait oui, but. Ça fait but, l'égalisation. But donc, on a laissé Ounas tranquillement attaquer côté droit. Il est rentré dans cette surface. Balle, elle est touchée par le gardien, mais ça ne suffit pas. Et Andrew, il la touche, notre gardien, mais ça passe quand même. Et égalisation, 20 minutes, enfin plutôt 10 minutes après notre but. Allez, Ferreira, il tente de remonter le ballon avec Grandbeek. Grandbeek, Ferreira. Et on perd le ballon, Ferreira. Cette bonne intervention. C'est là qu'il faut tout de suite couper. Ferreira qui tente de redescendre. Boudimir. Une attaque lilloise. La balle pour Benjamin André. C'est une attaque intéressante avec pas mal d'options disponibles. Ouais, bonne couverture. Très bien défendu, sans commettre John. De faute. Moussa. Cette passe pour Moukoko. Moukoko. Ça ne passe pas. Rémi Cavella. Comme d'habitude, à domicile, c'est vraiment très compliqué pour notre équipe. On a du mal à faire le jeu. Ounas. Ah, le ballon circule bien dans le camp adverse. Allez, faut couper. Faut pas les laisser attaquer. Ah, on les laisse attaquer, heureusement. Oui, bien c'est bien couvert par notre latéral droit qui était dans cette défense centrale. Il était bien revenu à couvrir l'axe. Aiden Zegrova. Et heureusement, attention on laisse le LOSC partir dans le dos. Gillette, Kersel. Surtout que j'ai mis la grosse équipe là. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de siffler la mi-temps. J'ai envie de voir les performances. On est totalement dominé par le LOSC. Ça c'est très clair. Possession 71% c'est parti, le coup d'envoi de cette pour les période. Lillois. Ferreira. Ferreira avec Grandbeek. Gellert. La passe pour Grandbeek. Grandbeek côté droit. Grandbeek. Grandbeek le sent. Tête de Moukoko repoussé. Sevald qui était très haut. Gellert. Attention le LOSC qui va partir. Ça va partir en attaque pour le LOSC. Récupération, non même pas. Ferreira, Kersel. Ounas. Diakité. Ah, nos joueurs, ils essaient d'intervenir, ils n'y arrivent pas pour l'instant. Attention, ça revient. Et le deuxième but, voilà Lillois. L'expérience de la Ligue 1 qui vient punir notre équipe. On est totalement dépassé par les événements. Allez, Moukoko, faut qu'il sorte. On va faire entrer Haraldsson. On va faire entrer Darami, on va sortir Grandbeek et faire entrer
Antman. On va faire sortir Kengard, faire entrer Clem. Et côté gauche, on va se garder un changement défensif. Il est intenable, insaisissable. Allez, changement donc. Allez, il faut aller chercher l'égalisation maintenant. On est mené. Aux joueurs de faire le travail. Ferreira. Ferreira. Il redonne à Darami. Darami. Pour son premier ballon. John. Ah, le porteur de ballon John. A besoin de Darami. Darami. La passe pour John. Et ça sortira en touche. Le ballon en touche. Et un changement. Donc. Allez, il faut montrer mieux. De meilleures choses. C'est Vald. C'est Vald. Il résiste. Et il perd le ballon. Il perd le ballon. La grosse intervention là. Et si on joue comme ça, si l'année prochaine on est en Ligue 1 et qu'il joue comme ça, notre équipe, ça va être très compliqué de se maintenir. Alors on laisse vraiment le LOSC dans un fauteuil. Et ça joue Benjamin André. C'est pas ce qu'on leur demande pourtant. Mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Allez, Seyvald. Ça passe pour Ferreira. Les 20 dernières minutes maintenant Antman. De la rencontre. Antman avec Jellert, le latéral droit. Le centre pour aller opposer John. John, le centre, la tête, ah, c'est capté. Et on est mené, on va aller tout donner pour l'attaque. C'est Vald. Ferreira. Ferreira avec cette passe pour Antman. Antman, le décalage pour Haraldsson. Oh là là, l'ancien Lillois qui vient buter sur le gardien. C'est leur première occasion de revenir. C'est le gardien du LOSC. Attention, le corner. Ballon sorti, renvoie au 6 mètres. Et 6 mètres. Bon, je pense que malheureusement, on va se faire sortir. 2-1. André. Ounas. Allez, 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 le allez. Transmis à Benjamin André. C'est une différence minime entre les deux équipes. Les choses peuvent encore évoluer dans les dernières secondes. Je mets tout. Grosse tension. Mais ça étonnerait que l'équipe n'arrive pas à récupérer le ballon. Alors qu'on lui demande justement de presser. Mais l'équipe est trop. Ouais, la bonne passe, la bonne inspiration. Attentiste. Ouais, il est signalé en position illicite, hors jeu. C'est Vald qui est fatigué. C'est Vald est fatigué. Ouais, c'est compliqué pour lui. Ah, on est passé sur un autre format. Ah bah évidemment, on est passé en ultra off. On fait rentrer un latéral gauche. C'est parti. L'équipe qui joue son va-tout sur cette fin de match. Ah, le jeu est interrompu pour un remplacement. L'équipe a tout donné pour essayer de revenir. Non pas sur le jeu, mais sur l'intensité. Ounas. Attention encore, on laisse littéralement le LOSC jouer. Allez Ferreira. C'est le ballon pour Dorgou. Avec la passe pour Ferreira. La passe pour Antman. Et on le voilà. On perd trop de temps à vouloir jouer. Bonne opération à domicile. L'aventure continue. Avec une attaque rapide, ce serait passé. Le LOSC qui sort notre équipe de Buzyn. Et on a été totalement dominé par la possession du LOSC. On s'arrête en 8e, ce qui est déjà plutôt pas mal pour une première saison. Mais c'est vrai qu'avec notre effectif, on aurait quand même pu passer ce tour. Mais bon, les joueurs avaient apparemment pas envie d'aller plus loin. Du coup, petit bilan des transferts. Donc, je viens de prêter pour 2 saisons Caulfield au Renoir. Apparemment, Christensen a accepté de partir en prêt aussi 2 saisons du côté du LOSC qui vient de nous sortir. Une très bonne équipe, le LOSC. Et là, ça va leur permettre à ces deux jeunes joueurs défenseurs centrales de s'aguerrir. Et après, j'attends le rapport de joueurs un peu plus fort que ce qu'on a actuellement. Parce qu'on le voit, on est en train de marquer le pas en championnat. On a fait quand même 4 matchs nuls cette saison, donc on a une très bonne équipe, mais si on peut l'améliorer pour la préparer déjà pour la saison prochaine, parce que la saison prochaine on devrait être en Ligue 1, il faut que
déjà penser à l'effectif de la saison prochaine. Donc on va voir ce qu'on pourra recruter dans le prochain épisode. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. À plus.